Bonsoir, voilà, Cathy, elle l'a dit, moi je m'appelle Elsa et je suis étudiante dans une fac à Paris et militante au NPA Jeunes. Peut-être pour commencer, je me rappelle qu'il y a quelques mois au moment de l'élection Macron, il y avait un truc qu'on nous répétait beaucoup et qu'on a beaucoup entendu, c'est que Macron, c'était le président le plus jeune de l'histoire, qu'il avait que 39 ans et qu'il incarnait comme une forme de renouveau de la politique ou je ne sais quoi. Mais je crois que c'est plutôt le contraire. Quand on voit les premiers mois de son quinquennat, en réalité, c'est le principal ennemi des jeunes. La situation des jeunes aujourd'hui, je pense que l'intervention de Steven, elle était édifiante à ce propos, mais on la connaît, c'est celle de plus de 20% de chômage et ça monte jusqu'à 40% dans certains quartiers populaires. Et il faut croire que apparemment c'est pas assez. C'est-à-dire que alors qu'on a déjà du mal à trouver un emploi, si ce n'est dans des conditions d'exploitation intenables, avec un niveau de précarité énorme, comme chez Deliveroo ou autres, le gouvernement maintenant, le nouveau projet, c'est de remettre en cause l'accès à l'université, autrement dit notre droit d'étudier. C'est-à-dire que à quelques jours de la rentrée universitaire, il y a des milliers de bacheliers et d'étudiants qui n'ont pas encore reçu d'affectation à la fac. Et la solution que prétend proposer le gouvernement, c'est de généraliser la sélection dès la licence et en finir avec l'accès universel, en tout cas sur le papier, qui existait jusqu'à maintenant. Nous, au contraire, on milite au NPA pour une fac ouverte à toutes et à tous, et dont l'enseignement et la recherche seraient mis au service des intérêts de la majorité de la population, c'est-à-dire des travailleurs et des classes populaires, et pas au service du patronat, du capital et des grandes entreprises. Comme si ça suffisait pas, je pense que pareil, tout le monde en a entendu parler, mais ils comptent réduire les APL, comme si c'était à nous de nous serrer la ceinture et de ne pas pleurer pour 5 euros, pendant que le gouvernement fait des cadeaux aux plus riches et baisse l'impôt sur la fortune. Macron, voilà. Et Macron, comme en plus chacun sait, a connu la précarité quand il était jeune en vivant avec 1000 euros par mois, pense que c'est tout à fait naturel qu'on travaille plus de 40 heures par semaine. Et il y a toute une petite musique et un discours des classes dominantes qui consiste à nous faire passer pour une bande de fainéants qui en fait se plaindraient de perdre une pinte par mois en gros. Mais le problème, c'est que la réalité de la jeunesse et de la jeunesse étudiante, c'est pas ça aujourd'hui. Il y a 25% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté et parfois dans une situation de misère telle que ça mène à des tragédies. Et notamment, je me rappelle, il y a un an et demi, il y a un étudiant mahorais qui avait été retrouvé mort de faim dans sa chambre à Lille parce que ça faisait des semaines qu'il n'arrivait plus à s'alimenter normalement. Et puis, les APL, en plus, ça concerne pas que les étudiants, mais toutes les personnes qui sont dans une situation de précarité. Et c'est pour ça que si on s'en saisit, on peut en faire un pont entre la jeunesse et le reste des exploités. Surtout que ce que le gouvernement Macron nous prépare, c'est une loi travail puissance 10, un recul social majeur et une casse de nos acquis qui concerne absolument tout le monde, les travailleurs, ceux d'entre nous qui le sont déjà, parce qu'il y a 50% des étudiants qui sont obligés de se salarier pour pouvoir suivre des études, et ceux qu'on va devenir. Et personne ne veut de cette loi-là, ils le savent très bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne peuvent même pas se permettre de la faire passer par la voie parlementaire normale alors qu'ils ont une majorité. C'est pour ça aussi qu'ils prévoient de continuer la politique répressive qu'a menée le gouvernement Hollande et qu'ils ont d'ores et déjà dépensé 22 millions d'euros dans l'achat de grenades lacrymo. Et c'est aussi pour ça qu'il a besoin d'aller très vite et en particulier de tout boucler avant le 20 septembre. Et je pense que ce calendrier, il n'est pas anodin parce que fin septembre, c'est la rentrée de la plupart des universités. Et ce qui leur fait peur, c'est précisément que nous, la jeunesse, on se batte aux côtés des travailleurs pour frapper sur le même clou au même moment. Cette unité-là, ils l'ont aperçue au printemps 2016, quand on a bloqué nos facs et nos lycées à partir du 9 mars et qu'on a tenu pendant des mois et des mois, malgré les grèves et la matraque, aux côtés du mouvement ouvrier qui est entré en grève. Et cette expérience-là, on a été des milliers à la vivre. Et je pense que ça a fait naître toute une génération militante qui est encore debout aujourd'hui. C'est cette même génération... Parce que c'est cette même génération qui a continué à manifester... en soutien à la famille Traoré, en soutien à Théo, qui a majoritairement voté pour des candidats à la gauche du Parti Socialiste qui ont rempli les salles de meeting de Philippe Poutou, qui ont été des milliers dans l'entre-deux-tours à créer ni Le Pen ni Macron. Et c'est cette génération qu'on doit préparer à l'affrontement de la rentrée. Bien.
date qui existe déjà, c'est le 12 septembre. Et nous, les jeunes du NPA, on ne va pas se résigner parce que les fracs ne sont pas encore ouvertes. On va faire tout ce qu'on peut sur les lycées, sur les chaînes d'inscription, au cours des pré-rentrées, pour s'assurer qu'on soit le plus nombreux à être au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on appelle l'ensemble des organisations de jeunesse, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, qui s'opposent à la casse du code du travail et aussi aux attaques de Macron contre la jeunesse, à se retrouver autour d'une table pour fixer un plan de bataille commun. L'année dernière, on avait, au printemps 2016, on avait aussi organisé une réunion de ce type qui avait été décisive en fait, pour mettre tout le monde à l'offensive avant le 9 mars. Et je pense que c'est une logique qu'on doit commencer à adopter. Je sais que, voilà, Cathy le soulignait, mais on est très nombreux et c'est une très bonne nouvelle. Nous, les jeunes du NPA, on va organiser une assemblée générale. Il me semble que c'est mardi midi et on vous invite tous à y participer nombreux pour qu'on puisse commencer à avancer dans les propositions pour la rentrée. Et pour finir, je pense qu'on devrait se rappeler qu'il y a quelques années, en Espagne, il y a toute une génération qui s'est forgée dans un mouvement qu'on a ensuite appelé le mouvement des indignés. Et cette génération, c'est celle qui s'était appelée la génération du ni-ni, ni étudiant, ni travailleur. Autrement dit, la génération à qui on avait volé le droit d'avoir un avenir et d'aspirer à un monde meilleur pour la suite. Je pense que Macron, c'est en ça qu'ils veulent nous transformer, mais on ne se laissera pas faire, parce qu'à force de tout nous enlever, on risque de devenir la génération qui n'a plus rien à perdre dans ce monde et la plus déterminée à le renverser pour construire une société débarrassée de l'exploitation et de l'oppression.